L'édition date de juin 1963. Un an auparavant, le 5 juillet 1962, l'Algérie devenait indépendante. Mais le poète Jean Amrouche ne verra pas ce jour tant espéré, lui qui servit d'intermédiaire entre le Front de Libération Nationale Algérien et le général de Gaulle. Il était mort en avril 1962. Comme il nous manque aujourd'hui ces hommes qui relient en leur meilleur l'Orient et l'Occident. Jean Amrouche, l'Algérien, le Français, était un passeur entre deux mondes. Il disait « La France est l'esprit de mon âme et l'Algérie est l'âme de mon esprit ». Cette émission est la dernière d'une série d'hommages. Dans une des autres émissions, on avait célébré l'homme de radio qu'il fut avec passion. Mais les auditeurs des Nuits de France Culture savent, car ils l'entendent parfois, qu'ils doivent à Jean Amrouche quelques-uns parmi des plus beaux entretiens de l'histoire de la radio avec des écrivains et des savants. Il est d'ailleurs l'inventeur de cette forme radiophonique qu'est l'entretien cultivé, lequel n'est autre que la reprise de l'art très ancien de la conversation. Voici en effet ce qu'écrivait Jean Lescure à propos d'Amrouche. Ce qui est bouleversant ici et à jamais digne de l'attention des hommes, ce sont précisément les voix humaines en leur origine même, en ce point où elles ne sont pas encore distinctes des mots qu'elles prononcent. Ce sont les soupirs traqués de Gide devant l'impitoyable question que lui inflige Amrouche. Ce sont les roulements massifs de Claudel, les essoufflements torturés d'Ungaretti, les murmures difficiles de Mauriac. Dans l'émission que nous allons entendre, il sera question d'Amrouche et de la tragédie algérienne. France 3 RTF présente Hommage à Jean Amrouche. Une émission de Marguerite Taos, Stanislas Fumet, Charles Galperine. Aujourd'hui, la tragédie algérienne. Avec la participation de Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, Jean de Breuil, secrétaire d'État chargé des affaires algériennes, Ferhat Abbas, ancien président du GPRA, président de l'Assemblée constituante algérienne, Gabriel Darboussier, ambassadeur du Sénégal, François Mauriac de l'Académie française, Louis Vallon, rapporteur général du budget, Krim Belkacem, ancien vice-président du GPRA, député de la Kabylie, René Capitan, président de la commission des lois au Parlement, Suzanne Jean Amrouche, Jacques Berck, le lieutenant Ramani, Jean Balinzi, Kateb Yassine, Jamila Debèche. Et la voix de Jean Amrouche. Poèmes et chants berbères par Marguerite Taos. Assistante Ève Augustin Henro. Réalisation Pierre Barbier. Après les deux émissions qui ont fait porter cet hommage à Jean Amrouche sur ses origines berbères, sa formation spirituelle ou intellectuelle, religieuse, au sein de sa famille et parmi ses premiers camarades, puis sur son art d'interroger les écrivains qu'il admirait et d'entretenir avec eux ce dialogue fructueux où lui-même révélait sa propre pensée de poète, ses propres sentiments et une rare sagesse. Nous allons aborder pour finir le problème si délicat qui a fait de Jean Amrouche, dans les dernières années de sa vie, un militant exceptionnel et, encore qu'il s'en défendit, une espèce de prophète héroïque. De même que l'on ne peut expliquer une vie que par sa fin, une histoire que par son aboutissement, de même on ne peut dire ce qu'a été une aventure de la gravité de celle-ci et l'on ne peut la mesurer que lorsqu'elle a touché son but. C'est ce qui est arrivé pour la tragédie algérienne et c'est ce qui est arrivé pour le combat moral d'un Africain berbère qui était français et qui était chrétien. Ce qui nous a le plus frappé en Jean Amrouche est sa persistante fidélité. Une seule flamme en ce Kabyle, et non deux, mais brûlant pour une double patrie et qu'alimentait les irremplaçables nourritures de sa tradition africaine et les fruits plus élaborés de la culture, faut-il dire européenne, pas même. Quand il s'agit de Jean Amrouche, culture française suffit. Il n'avait pas deux races, il n'en avait qu'une. Mais il était un Africain conscient de s'être marié avec la France. Son destin,
nous apparaît aujourd'hui moins comme un signe de contradiction que comme un signe de ralliement entre deux entités nationales. Et, parce qu'il est demeuré fidèle, parce qu'il était un gaulliste qui avait confiance en De Gaulle, et que De Gaulle avait mis sa confiance en lui dès le jour où il le connut en 1943, Amrouche s'avançait de plus en plus seul, au fur et à mesure que le conflit s'exaspérait. Sa position était héroïque et prophétique, je le répète, on en jugera par de tels mots qu'il a écrits. « J'ai mal à l'Algérie, j'ai mal à la France. » Si je vaux quelque chose, si je signifie quelque chose, c'est par le témoignage que je porte pour moi, pour le peuple algérien, mon peuple, pour le peuple français, mon peuple. Je m'adresse à Madame Jean Amrouche, sa femme, qui avait d'autant plus de mérite à le suivre dans sa conviction qui semblait paradoxale, qu'elle-même n'était pas kabyle, qu'elle était une Française d'Algérie, mais qui avait été attirée vers Jean par la qualité de cette flamme que je disais. Une flamme qui, pour une jeune fille, avait pu être éblouissante. J'ai rencontré Jean Amrouche en 1940 à Tunis, où je venais d'arriver comme jeune professeur. Si Jean Amrouche était un fils d'Afrique, je me sentais, moi, fille de la Méditerranée, issue, par mon père, d'une de ces familles pieds noirs qui ont plus de 100 ans habité l'Algérie. J'avais pour ce pays le même amour qu'un Camus, qu'un Gabriel Odizio. Deux circonstances avaient encore favorisé cet attachement. Élevé en France jusqu'à ma 13e année, j'avais découvert l'Algérie, en fait, dans tout l'élan de l'adolescence. Et d'autre part, j'eus cette grande chance de pouvoir parcourir très tôt la montagne, le bled, les rivages algériens, si bien que je m'épris d'un immense amour pour cette terre. Plus, me semblait-il, par choix du cœur que par la fatalité de la naissance. Ce fut dans ces dispositions d'esprit que je rencontrai Jean Amrouche. J'admirais sans doute le conférencier, le poète, le critique surtout, qui m'ouvrait les yeux sur Claudel ou sur Apollinaire ou sur Rimbaud. Je fus attiré aussi par l'homme, généreux, chaleureux, que je découvris peu à peu. Mais, plus profondément, j'aimais l'Afrique en lui. Cette part secrète de lui-même, qu'il me fallait découvrir, car il ne se livrait pas facilement. En vérité, à travers lui, j'eus le sentiment d'épouser l'Afrique, d'aller jusqu'au bout de ma passion pour cette terre, jusqu'au bout de mon destin. Cette union, qui était fort originale, en somme, d'une Française d'Algérie et d'un pur berbère, ne posait pourtant pour moi aucun problème. J'aimais que nous fussions différents, encore que tellement accordés l'un à l'autre. Il me semblait que nous nous enrichirions de nos différences mêmes. Je sais maintenant que je ne me trompais pas. Il ne me fallut pas longtemps pour découvrir, chez mon mari, au-delà des soucis que lui causait la guerre, au-delà de ses activités littéraires, à quel point il était obsédé en profondeur par ce problème de l'Afrique et par celui de l'homme colonisé. S'il rêvait de voir s'unir les deux cultures, la française et la maghrébine, en une sorte de féconde hybridation, il sentait déjà, j'en suis sûr, sur le plan de l'ensemble du peuple algérien, l'impossibilité de l'assimilation, et d'autre part, lui que tant de chance avait favorisé, il comprenait déjà mieux que quiconque le drame de ses frères humiliés. Le temps me manque pour évoquer bien des faits significatifs, par exemple ses visites au général de Gaulle à Alger en 1943-44, où il lui parlait longuement des problèmes de l'Empire français, de l'urgence d'une transformation. Je me souviens aussi, tout particulièrement, de son état d'angoisse et de prostration presque effrayant après les événements de mai 45 dans le Constantinois. Je ne comprenais pas bien à ce moment qu'il voyait là, et à juste titre, le début du drame qui allait séparer l'Algérie et la France. Et je me rappelle aussi le peu de succès
obscurs les avertissements qu'il tenta de donner dès cette époque. Probablement parce qu'ils étaient trop lucides, deux articles lui furent refusés par de grands journaux parisiens. Enfin, un autre parut en 1946, dans une publication de moindre diffusion. Il portait ce titre prophétique. L'Algérie restera-t-elle française ? Enfin, si je passe aux années qui précédèrent la guerre d'Algérie, au moment où, aux yeux de ses amis, il semblait totalement absorbé par son activité de critique radiophonique, je puis témoigner aussi à quel point et avec quelle angoisse il a senti venir le drame de la guerre d'Algérie. Quand j'évoquais les douloureux événements du Maroc et de la Tunisie, je me rappelle qu'il me dit un jour « Tout cela n'est rien au prix de ce qui se passera en Algérie. Ce sera affreux. Nous serons noyés dans le sang. » Et c'est aussi en 1952 qu'il écrivait à son ami Jules Roy dans une lettre que j'ai retrouvée et après avoir parlé de l'Algérie. « Quant à moi, quoi qu'il advienne, quoi que je fasse, je resterai cloué sur une croix jusqu'à mon dernier souffle. » Et en effet, cette dualité, cette coexistence en lui de deux cultures, de deux amours, qui étaient depuis l'enfance son être même, voici que la guerre d'Algérie allait en faire un écartèlement. Une tension si profonde de toutes ses forces vives que son être même, en ses plus intimes profondeurs, risquerait d'en être brisé. Lui et moi, d'une façon différente, mais parallèle, et unis dans la même souffrance, nous avons été vraiment totalement concernés par cette guerre. Nous l'avons assumée au plus profond de notre être. Nous en avons été marqués dans notre chair comme dans notre âme. Pour lui, je le pense très profondément, il en est mort. Quant à moi, j'en reste marquée pour le reste de ma vie. J'ai eu pour ma part le sentiment que chaque épisode sanglant de cette guerre, que chaque innocent assassiné, chaque homme torturé, chaque bombe qui éclatait, que tout cela me passait littéralement à travers le cœur, de quelque côté que cela vienne. Quant à Jean Amrouche, son supplice fut certainement pire encore que le mien. « Je souffre comme Algérien, écrivait-il. Je souffre comme Français. Aucun des torturés, des humiliés, des orphelins, des morts de cette guerre ne m'est étranger. Ils sont tous miens. Je leur appartiens à tous. » Et puis encore. « Depuis 18 mois passés, des hommes meurent, des hommes tuent. Ces hommes sont mes frères, ceux qui tuent, ceux qui meurent. Je me nomme El Mouhouv, fils de Belkacem, petit-fils d'Ahmed. Je me nomme aussi, et indivisément, Jean, fils d'Antoine. Et El Mouhouv, chaque jour, traque Jean et le tue. Et Jean, chaque jour, traque El Mouhouv et le tue. » Ceci était écrit en 1956, mais l'affrontement a duré 7 ans, et on peut comprendre que Jean et El Mouhouv en soient morts. Ce déchirement fondamental me semble plus essentiel que tous les autres sacrifices qu'il fit pour la cause de la paix en Algérie. Oui, voir s'éloigner de lui des parents, des amis de 20 ans, être accusé de trahison par les uns comme par les autres, et parfois à cause du même article, renoncer à son œuvre littéraire, risquer sa situation, peut-être même sa vie, sacrifier enfin lui qui fut un père si tendre, ses plus pures joies familiales, remettre à plus tard le repos, les vacances, la poésie, le plus simple bonheur personnel. Tout cela, oui,
Il l'accepta, dans la souffrance, mais d'un cœur résolu. Il l'accepta pour servir de trait d'union entre les Français et les Algériens, pour contribuer par tous les efforts de son talent d'écrivain, par toutes les ressources de son éloquence, à faire renaître la paix en Algérie, dans la justice et dans la réconciliation des cœurs. « Je suis le pont, disait-il, l'arche qui fait communiquer deux mondes, sur lequel on marche, que l'on piétine, que l'on foule. Je le resterai jusqu'à la fin des fins, c'est mon destin. » L'arche a été foulée aux pieds. Jean Helmhouve est mort. Mais j'ose espérer qu'il a entrevu au moment où il sentait sa vie lui échapper, qu'il avait achevé l'essentiel de sa tâche et qu'il avait accompli son destin. La mort s'aborde avec courage et se regarde avec orgueil. Le rire des ennemis est seul redoutable. Comme une amulette d'argent, le bien-aimé repose au fond d'une tombe. Ô mes yeux, emplissez-vous de sang. Jean Amrouche a osé regarder en face, avec un courage qui n'a eu d'égal chez lui que la clairvoyance dont il n'a cessé de faire preuve devant les circonstances des années sombres 1954-1962, pour le plus grand étonnement des uns et des autres. Au vrai, Amrouche n'a jamais douté que le général de Gaulle affranchirait son pays de la servitude coloniale. Il me l'a toujours dit, à une époque où les Français de gauche et de droite ne pouvaient imaginer une Algérie indépendante. Là-dessus, il se faisait mieux entendre de ses frères algériens que de ses confrères parisiens. Il sentait, il prévoyait l'indépendance de l'Algérie en étroite collaboration avec la France. Il est bien intéressant d'avoir des documents radiophoniques sur la succession des affirmations qu'il pouvait poser concernant le problème algérien. Les discothèques en gardent plus d'une trace. Pour ne pas remonter plus haut, prenons cette interview de Radio Genève, qui date du 30 mai 1958. René Dijon demande à Jean Amrouche de s'expliquer sur sa situation, qui, reconnaît Amrouche, est ambiguë. Je suis en effet citoyen français. Je suis catholique, j'ai été baptisé à l'âge de 2 jours, la langue française est ma langue maternelle, ma culture est française, et je ne suis donc pas, comme on l'a écrit récemment, un Algérien francisé. Je suis profondément français. Et en tant que français, en tant que citoyen français, c'est mon droit et c'est mon devoir de prendre position sur les problèmes politiques français. Mais je suis en même temps et indivisément algérien, parce que je suis né en Kabylie, de père et mère kabyle, que le kabyle est concurremment avec le français ma langue maternelle, et par conséquent ma solidarité avec le peuple algérien en lutte pour la conquête de sa liberté et de son indépendance, ma solidarité avec le peuple algérien est une solidarité entière. Comme citoyen français, je suis gaulliste depuis 1940. J'ai une très grande admiration pour le général de Gaulle. J'ai une foi profonde dans l'homme,
dans les valeurs qu'il représente, et je pense que les valeurs qu'il représente sont les plus hautes valeurs françaises. Je ne crois pas que le général de Gaulle puisse être entraîné dans une aventure totalitaire et fasciste. Je crois qu'il est celui qui, aujourd'hui, peut non pas maintenir la République, mais restaurer la République et les valeurs démocratiques, les droits de l'homme, la dignité de l'homme, qui ont été bafoués depuis qu'a éclaté la guerre d'Algérie. Je voudrais vous poser une autre question, mais peut-être vous préparez-vous à y répondre. Est-ce que vous avez des indices qui vous permettent de penser que le général de Gaulle non seulement restaurera la République, mais amènera les choses au point que l'indépendance algérienne pourra être un fait reconnu par cette République? Vous n'ignorez pas que le langage du général passe auprès de beaucoup de gens pour sibyllin et que ses intentions ne sont pas absolument claires. Les intentions du général de Gaulle sont très claires. Maintenant, la politique qu'il pourra définir dans les circonstances données et qu'il pourra appliquer, ça c'est une autre chose. Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas le droit de faire état publiquement, soit de conversation, soit de correspondance avec le général de Gaulle. Dans la déclaration d'investiture de M. Pfimelin, il était question d'accentuer l'effort de guerre en Algérie jusqu'à destruction complète de la volonté de lutte et de la capacité de combat du FLN et de l'armée de libération nationale algérienne. Le général de Gaulle n'a jamais tenu ce langage. Le général de Gaulle est un homme qui sait que l'avenir de la France dépend en grande partie de l'accomplissement, de l'achèvement de la décolonisation et qu'il faut décoloniser l'Algérie. Le général de Gaulle sait quelle est la signification profonde du combat du peuple algérien. Il sait que les Algériens ont besoin d'une patrie qui soit leur patrie et que cette patrie, désormais, ne peut être que l'Algérie. Si vous voulez, je pense qu'il n'appartient pas à un homme ou à des hommes aujourd'hui de choisir sur ce plan. C'est l'histoire qui a choisi. L'évolution de l'Algérie a été telle qu'il existe aujourd'hui un peuple algérien qui a conscience d'être un peuple qui veut être une nation libre et une nation qui aura le droit de constituer un État souverain. Cet État souverain ne sera pas du tout indépendant au sens où on l'entend. Son indépendance sera forcément une indépendance limitée par des accords qui devront être pris, d'une part, avec les deux pays frères, la Tunisie et le Maroc, et d'autre part, avec la France. Le général de Gaulle, bien sûr, a d'abord en charge les intérêts et la grandeur de la France. Mais les intérêts et la grandeur de la France ne sont absolument pas incompatibles avec la liberté des anciens peuples colonisés. Voilà pourquoi j'espère que le général de Gaulle pourra définir et appliquer une telle politique qui lui permettra d'établir la paix en Algérie par la négociation avec le Front de Libération Nationale Algérienne. En écoutant ce clair discours, Stanislas Fumet, je ne puis m'empêcher de mesurer l'abîme qui séparait à cette époque, une vue raisonnable, de la sanglante et inextricable réalité. Comment ne pas nous souvenir de l'extrême inquiétude et de la confusion où nous étions plongés au lendemain du 13 mai 1958 ? C'est alors que, déchiffrant dans les journaux des nouvelles contradictoires, l'on put lire à la première page du Monde un article signé de vous, où, non content d'énumérer les raisons d'espérer, vous ne doutiez pas un instant que la République ne venait de retrouver son pouvoir et sa force. Cette assurance nous parut alors, vous l'avouerai-je, presque aussi invraisemblable que le contenu d'un autre article, paru également dans Le Monde, sous la rubrique de Libre Opinion, le 6 juin 1958, signé cette fois de Jean Amrouche. Amrouche rencontrait, dans le premier discours du général de Gaulle, une parole, «
qui, pour la première fois, s'adressait aux Algériens comme à des hommes reconnus dans leur dignité et dans leurs droits. Ils voyaient par là même s'ouvrir le chemin de l'indépendance. Nous crûmes à la lecture de cet article rêver. Emporté par un vent de révolte, mon enfant fuyait sur les routes. Les gendarmes l'ont arrêté. Compagnon du soleil levant, oiseau, fends les cieux de ton vol puissant, puis pose-toi sur son épaule. Pour lui, je souhaite un lit de plumes, sous sa tête, un oreiller de musc, et qu'il s'endorme parmi les parfums. François Mauriac, vous avez su très vite reconnaître la signification de Jean Amrouche dans le dur conflit algérien qui vous aussi vous a fait souffrir. Il était le nœud d'un drame. Le drame de l'Algérie a été pour moi la découverte en Jean Amrouche de ce drame. J'en ai eu conscience. Je me rappelle très bien le jour lorsque, au lendemain du 13 mai, je le rencontrai à la conférence de presse du général de Gaulle. Ce jour-là, et malgré mon admiration et mon attachement à de Gaulle, j'étais malgré tout troublé. Les circonstances au milieu desquels s'effectuait ce retour de Gaulle, me laissait troubler. Je fus frappé par la confiance, par la joie, par cette immense espérance que je voyais naître dans Amrouche. Je me rappelle que nous revînmes à pied, que nous entrâmes dans un petit café, et ce fut au cours de cette conversation que je crus entrevoir, et d'ailleurs avec un optimisme que les faits n'ont pas, hélas, complètement approuvé, je commençais vraiment à croire que l'issue était dans cette direction. Et certainement que ma confiance en De Gaulle dans l'affaire algérienne date de cette rencontre avec Amrouche. Mais à mesure que les événements se déroulèrent, je vis souffrir Amrouche, ou plutôt je ne le vis que bien rarement, mais je vécus en quelque sorte en contact avec cette souffrance, parce que, pour moi, ce qui me déchirait moi-même, ce qui déchirait certainement De Gaulle aussi, mais ce qui déchirait beaucoup plus ce Kabyle baptisé, ce Français qui était possédé par le génie de la langue et de la poésie française, plus qu'aucun de nous, eh bien, ce déchirement
Oui, il était incarné dans un homme. J'ai écrit un livre, c'est mon dernier roman, qui s'appelle L'Agneau. Eh bien, cette souffrance d'un seul homme qui incarne les contradictions de beaucoup d'hommes et qui les incarne jusque, on peut dire, au martyr, car enfin, Amrouche perdait tout à mesure que la guerre d'Algérie se poursuivait. Il perdait l'affection. Non pas l'affection, car ses vrais amis n'ont jamais cessé de l'aimer, mais il devenait, si vous voulez, suspect à tous, dans la mesure où il était fidèle, et fidèle jusqu'à la mort, à tout ce qui avait été l'objet de son culte, son pays natal, sa race, mais aussi la France, mais aussi la culture française, dans la mesure où il ne trahissait aucune de ses fidélités, qu'était-il sinon un homme déchiré, déchiré au point qu'on n'imagine pas que d'une manière ou d'une autre, cette affreuse histoire ait pu se finir autrement que par sa mort. Parce qu'en réalité, il était et il a été vraiment, et je ne crois pas que le mot soit trop fort, un martyr. Il a eu cette forme de souffrance d'être considéré vraiment comme un suspect. Je ne voudrais pas m'attarder sur le fait qu'il a dû quitter, n'est-ce pas, la radio, que ce qui était vraiment atroce, c'est-à-dire qu'on le considérait comme quelqu'un, sinon qui trahissait, on nous appelait traître tellement facilement à ce moment-là, mais enfin, comme un mauvais Français. Et alors que, de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, il restait fidèle à l'idéal français, et que ce qu'il préconisait, si la France l'avait vraiment suivi, non seulement nous n'eussions pas perdu l'Algérie, mais la figure de la France, l'image de la France, eût été bien plus grande qu'elle ne l'est dans le cœur et dans l'esprit de tous les Algériens. Voici maintenant quelques témoignages de ces frères algériens que François Mauriac vient d'évoquer. Abdelkader Rahmani, vous êtes connu sous le nom du lieutenant Rahmani. Il m'est doux de demander à un fils de nos montagnes kabyles de nous parler de mon frère Jean El-Mouhouv, de qui vous avez partagé et l'angoisse et l'espoir. J'ai rencontré Amrouche en 1956, par l'entremise de mon regretté et estimé maître Louis Massignon, autre homme de foi et de feu. Je revenais du Moyen-Orient avec la décision d'entrer dans la lutte mi-clandestine, mi-ouverte, pour organiser ce qu'on en a appelé l'affaire des officiers algériens. Il me fallait des atouts, des appuis, des hommes, des réseaux. L'année 1956 était pour les Algériens celle des illusions perdues, pour la France celle de sa volonté de s'installer définitivement dans la guerre. Il fallait, à tout prix, être sur tous les fronts. Lutte armée, lutte psychologique, lutte diplomatique, guerre des ombres. Il fallait, surtout, informer une opinion sclérosée, conditionnée de jour en jour par la fameuse et combien désastreuse action psychologique. Pour ce, outre la bonne volonté d'une certaine gauche, j'étais convaincu qu'il revenait à des Algériens d'entreprendre cette tâche gigantesque d'information au milieu des couteaux, des plastiques, des grenades et d'un formidable appareil policier et militaire acharné dans une lutte contre le faciès. C'était à ce carrefour douloureux de la guerre franco-algérienne que j'ai trouvé Amrouche, dans un déchirement moral et physique indescriptible. Il était accablé, comme si l'humanité entière écrasait ses épaules massives. Ses yeux de feu fuyaient mes premiers regards. Le doute était en lui et le dévorait. C'était l'époque où le FLN
était aussi féroce que le gouvernement français contre tout Algérien qui osait s'exprimer publiquement. La loi était celle du silence, ou de la mitraillette, ou de la torture. La violence s'imposait sur l'esprit et la conscience. Or, lui et moi étions convaincus que le cœur et l'esprit avaient aussi leur chance de victoire, que l'action non violente, spirituelle et engagée pouvait déclencher l'opinion française. Contre vents et marées, nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin et nos plumes pour prêcher la vérité, la compréhension, la démystification. Il fallait avoir les nerfs solides, surtout la foi pour entendre tout ce que nous étions obligés d'entendre au cours de cet apostolat. Seule la notoriété littéraire d'Amrouche et l'estime de ses nombreuses relations lui ont évité le cachot. Il défendait aussi bien sa terre natale algérienne que sa foi chrétienne. De culture française, il restait attaché à sa langue maternelle qu'il parlait à la perfection. Il complétait l'une par l'autre dans ses discussions enflammées, passionnées, quand il voulait convaincre ses frères algériens de son enracinement à sa Kabylie. Puis, brusquement, il se taisait, et on le sentait, parti là-bas sur ces montagnes kabyles, d'où le regard plonge et plane dans l'infini d'un paysage grandiose. Il était la symbiose de la multi-appartenance, de l'universalisme. Il croyait à l'Algérie multiraciale et défendait cette croyance comme un droit imprescriptible, convaincu que ce creuset de race ferait de l'Algérie le pays pilote d'une expérience enrichissante pour nous et l'humanité. Il se référait souvent au père des pères, Abraham, pour dire que notre pays sera la terre promise des trois grandes religions, l'islam, le judaïsme et le christianisme, qui insufflera l'exemple de la paix et de la tolérance aux pays frères. Aujourd'hui, si Amrouche n'est plus parmi nous, son esprit reste une lumière qui éclaire, doit éclairer notre pays naissant. C'est un patrimoine algérien autant qu'un patrimoine français. Belkacem Krim, négociateur d'Évian, député à l'Assemblée algérienne. Il y a un an, jour pour jour, une douloureuse nouvelle nous parvenait. Jean Amrouche n'était plus. Jean Amrouche que nous avons aimé et respecté. Nous étions ravis. Le peuple algérien l'a pleuré car il perdait en lui non seulement un de ses fils parmi les plus prestigieux, mais aussi l'homme de lettres, le journaliste qui par ses écrits criait à la face du monde, le prenant pour témoin l'humiliation, les conditions de vie atroces, végétative, quasiment animale, faite à son peuple par le colonialisme. Pacifiste, il dénonça avec vigueur et inlassablement la féroce répression qui décimait notre pays. De culture française, chrétien, bien que déchiré, il sut rester fidèle à la fois à son idéal religieux et à son peuple. Il vit le jour au pied du Djurdjura. Il répétait toujours qu'il s'agissait d'une affaire de nif, c'est-à-dire d'honneur et de sang. Il sut d'une phrase résumer la grande raison de notre combat et l'immensité des sacrifices consentis. Les Algériens, disait-il, meurent pour que le nom dont on les a frustrés leur soit restitué. Il peut reposer en paix. Nous avons retrouvé notre dignité, notre nif. Jean Amrouche demeurera dans notre mémoire. Il est l'exemple de ce que notre peuple recèle comme génie et comme possibilité. Si des conditions de vie normales lui sont faites et la voie du développement ouverte. Djamila Debech, nous vous avons trouvé à nos côtés, ma mère et moi, lorsque mon frère nous a quittés, et vous l'avez pleuré exactement comme un membre de votre famille. Comment serais-je resté insensible à votre peine? Jean Amrouche,
C'était à l'époque de mes débuts dans la vie sociale algérienne, un nom qui m'était familier. Pour nous, jeunes Algériens d'alors, dont les regards étaient tournés vers les lointains horizons, les noms de Camus, de Jean Amrouche, nous faisaient rêver à ce nouveau monde en gestation. Aussi, aucun des écrits de ces hommes ne nous laissait indifférents. Ce qui m'a frappé lorsque je parlais avec Jean Amrouche, car je ne l'ai connu que dans les dernières semaines de sa vie, c'est que je retrouvais sur son visage les stigmates du mal qui avait marqué Ahmed ibn Zekri, proviseur du lycée d'enseignement franco-musulman vers la fin de sa vie. Ce mal n'était pas seulement un mal du corps, il était aussi plus profond. Il exprimait le bouleversement, le douloureux combat intérieur. Oui, j'ai partagé votre chagrin. J'ai été auprès de vous, comme un symbole, disant la part que prenaient nos sœurs algériennes à cette nouvelle épreuve qui nous touchait toutes et tous. Kateb Yassine, mon frère Jean Amrouche vous aimait, je crois, comme un frère, et il a été l'un des premiers à vous avoir reconnu, à avoir compris Nejma dans ce qu'elle avait de plus hermétique et de plus brûlant et de plus fulgurant. Je me souviens d'abord d'une première rencontre avec Jean Amrouche. Ça devait être vers 1948. Nous nous sommes vus beaucoup trop rapidement. Puis ensuite, des années se sont passées. Lorsque Nejma ayant paru, j'ai reçu une lettre de lui et je suis allé le voir à la radio. Et là, j'ai découvert qu'Amrouche n'était pas du tout le professeur, l'homme d'une autre génération que j'avais cru voir en Jean Amrouche lorsque j'étais très jeune, puisque je suis évidemment d'une autre génération. Le contact a été très franc. Nous avons eu une très très longue discussion. Discussion qui n'a fait que se poursuivre pendant des mois et des mois, parce que la guerre commençait en Algérie. Et je sentais qu'Amrouche était bouleversé. Et nous n'avons pas cessé ensuite de nous revoir jusqu'au moment où j'ai dû quitter la France. Ensuite, je l'ai revu à plusieurs reprises, et je crois les deux fois en Italie. J'ai senti qu'il était de plus en plus bouleversé, mais qu'il avait un espoir débordant dans l'issue d'une lutte qui, pour ma part, m'apparaissait encore longue, puisqu'effectivement, d'ailleurs, elle a duré des années encore. Mais je dois dire qu'il m'étonnait justement par le fait que, tout en étant ce qu'on appelle déchiré, et on a voulu lui prêter une espèce de déchirement à tout prix, au contraire, il était plein d'un énorme espoir. Alors nous avions des discussions qui n'étaient pas seulement des discussions politiques, parce que ce qui me passionnait avec Amrouche justement, c'est que c'était un poète. Et alors à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre ce que signifiait pour nous d'avoir eu pendant si longtemps des poètes de l'exil, parfois même de grands poètes reconnus comme Amrouche, puisque tout le monde le reconnaissait, mais finalement personne ne le connaissait. Il était une voix présente de laquelle on s'était détourné, peut-être parce que elle avait une vérité inapprochable à l'époque. Et cette voix a commencé à devenir de plus en plus évidente pour moi. J'ai relu Les Chants Berbères, j'ai relu Étoiles Secrètes. Et je crois que maintenant le moment est venu de faire que cette œuvre soit entendue dans sa plénitude. Et c'est une des choses à laquelle il faut que nous nous attachions. Je sais que vous, Taos, vous pouvez beaucoup dans ce domaine, puisque en somme, ces poèmes nourris de son enfance et de toute sa sensibilité, vous avez été la première à les connaître avec lui. ثقنا وظل قاس هالوسي سلق سلك جينا نهلت سلم ضافي لينا حفاس قال غرفة كلاس أصبر ذا حبيبي لربينا. Depuis le premier jour de l'année, nous n'avons eu un seul jour de gaieté. Nous voici muets comme des charognards. Ô toi, aigle à la tête bleue, étends tes ailes dans les nuées
et met le cap sur leur prison. Salut pour nous les prisonniers. Leur absence est pire que l'exil. Mais la patience est l'ami du Seigneur. Le président de l'Assemblée, Ferhat Abbas, qui avait beaucoup aimé la France, salue la mémoire de Jean Amrouche. Il y a un an, disparaissait notre regretté ami et frère Jean Amrouche. Le mal qui l'a emporté s'est déclaré pour la première fois alors qu'invité du Maroc et de moi-même, il séjournait à Rabat. Quand nous le vîmes hospitalisé, nous ne pensions pas au pire. Nous avions encore confiance. Ce n'est qu'à son retour à Paris que la gravité du mal nous fut révélée. J'ai été informé du progrès de sa maladie. Je l'ai soutenu dans ses derniers moments en lui téléphonant et en lui écrivant. Avec la mort de Jean Amrouche, l'Algérie a perdu un de ses meilleurs fils. Par sa haute culture, il nous faisait honneur et faisait honneur à cette Kabylie riche de cœur et de fierté. Mais Jean Amrouche était plus qu'un écrivain. Il était le symbole d'une double fidélité. Fidélité à son pays d'origine, l'Algérie, fidélité à la France, sa nouvelle patrie. Tout le drame intérieur de cet homme, durant notre révolution, a été de concilier cette double appartenance et cette double fidélité. Aujourd'hui, sa place reste vide. Personne autant que lui ne pouvait servir de trait d'union entre la chrétienté et l'islam, c'est-à-dire entre le peuple français et le peuple algérien. En le perdant, nous avons perdu le meilleur ambassadeur de l'humanisme et de la fraternité. Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, s'entretient de Jean Amrouche avec Armand Guibert. Très tôt, j'ai lu Jean Amrouche et qui m'intéressait beaucoup en sa qualité d'Africain, de Kabyle, de Berbère. Mais j'ai eu surtout l'occasion de le rencontrer après la libération dans des colloques, des congrès et dans des déjeuners intimes. C'était un homme séduisant, lucide et passionné. Vous l'avez connu par ses premiers poèmes et probablement par Étoile secrète, qui est ce qu'il a écrit de plus personnel et de plus lumineux. Par Cendre et Étoile secrète. Et je dois vous dire que je me suis senti très tôt des affinités avec lui par le fait qu'il était africain, par le fait que sa situation, comme la mienne, était une situation de contradiction, car c'était un berbère dans un pays arabe, c'était un chrétien dans un pays musulman, c'était un écrivain de langue française et en même temps un écrivain berbère algérien. Je pense que Jean Amrouche est l'Afrique future, en somme, car les uns et les autres, l'Afrique noire et l'Afrique blanche, nous sommes enracinés, les uns, n'est-ce pas, dans le background berbère et nous dans le background négro-africain, et il faut nous achever par une autre culture, dans, n'est-ce pas, par la culture arabe et la culture française. Il était, si je puis me référer à Miloche, que je cite souvent, un de ceux que le poète lituanien appelle l'éveilleur, les gens qui restent toujours attentifs au mouvement du monde. Mais exactement, étant dans une situation de contradiction, nous sommes obligés de dépasser cette contradiction, non pas en transcendant au sens étymologique du mot nos contradictions, mais en intégrant les deux éléments du réel, l'un dans l'autre et en nous-mêmes. Et c'est pourquoi Jean Amrouche, comme la plupart des écrivains africains de langue française, était obligé d'être curieux et ouvert pour capter toutes les ondes. Je pense que c'est une perte immense pour l'Algérie, car la situation actuelle de l'Algérie et sa situation à lui, Jean Amrouche. Et s'il était encore vivant, je suis sûr qu'il aurait aidé les intellectuels algériens à trouver la solution de leur situation. À son tour, l'ambassadeur du Sénégal, Gabriel Darboussier, évoque son ami. Gabriel Darboussier, votre nom,
est un des derniers noms que mon frère ait prononcé avec amitié et reconnaissance quelques jours avant sa fin. Reconnaissance, je ne sais si je puis accepter. Amitié, oui. Je l'ai connu à Florence, à l'auberge San Michele, où nous avons passé une journée de détente après une réunion du comité exécutif du Congrès méditerranéen pour la culture. Et il semblait qu'il jetait les derniers feux de sa vie dans cette journée. Il était radieux, car il voyait poindre déjà la solution du problème algérien. Il se trouvait dans ce cadre exaltant du ciel florentin. Il vivait cette journée au milieu des oliviers qui lui rappelaient sans doute ces oliviers de son Algérie natale. Il baignait dans toute cette atmosphère de culture méditerranéenne dont il était l'un des plus beaux fleurons. Et j'ai vu alors cette nature de patriarche altier, fier, mais si sensible, nous réciter des poèmes, jouir de ce soleil, de ce déjeuner, de toute l'amitié dont nous l'entourions alors, comme un enfant qui sans doute venait de naître, mais peut-être aussi comme un homme qui avait peut-être le pressentiment de ce qui allait lui arriver et qui nous léguait comme une sorte de témoignage cet amour de la vie qu'il a toujours personnifié, cet amour de la vie qu'il a sans doute consumé. Le secrétaire d'État chargé des affaires algériennes, Jean de Breuil, négociateur d'Évian, attache une importance toute particulière à l'œuvre de paix qui fut celle de Jean Amrouche. Monsieur le ministre, vous qui avez contribué au dénouement de la tragédie algérienne, pouvez-vous nous dire ce que fut à vos yeux l'œuvre de mon frère ? Une pareille passion de justice servie par un courage peu commun et une pareille certitude que le général de Gaulle réussirait là où tous avaient échoué ne peut laisser indifférent au nom d'Amrouche. J'avais pour ma part senti battre ce cœur d'un grand élan dès son premier recueil poétique, Cendres, et j'en retrouvais plus tard les racines dans l'amour de la terre kabyle telle qu'il apparut à tous les lecteurs de l'introduction au chant berbère, et aujourd'hui encore, je l'entends aussi s'interroger à la radio, imprimant sa pulsation généreuse à des milliers d'auditeurs comme à des interlocuteurs beaucoup plus illustres comme Gide ou Mauriac. Mais il me semble que rien ne fut plus émouvant que ce long cri qu'il lança en 1956 du fond de son désespoir, crucifié entre ces deux patries qui s'entre-déchiraient. Ce cri dont quelques journaux ont eu le courage de se faire l'écho, ce cri, les falaises de Djurdjura l'ont renvoyé jusqu'aux berges de la Seine et il résonne encore à nos oreilles quand s'imprime aussi dans notre mémoire le dernier message de cet homme qui eut le douloureux privilège d'être français devant ses compatriotes algériens et algériens avec ses amis français. Mort au seuil de cette terre promise, sa haute et pure silhouette continue de veiller à la frontière de nos deux civilisations pour en assurer une sorte de symbiose. Et il est là pour toujours maintenant à la crête, par-dessus laquelle se cherchent grâce à lui et à nouveau des mains qu'il avait voulu fraternellement unies. Jacques Berck, professeur au Collège de France, nous a fait parvenir son message de Los Angeles. Eh bien, je vais vous parler de ma dernière visite à Amrouche. Malheureusement, il était déjà très malade. Je suis entré dans sa chambre. Il avait sur son lit un appareil transistor.
D'un moment à l'autre, on attendait les résultats des pourparlers déviants. Pendant que se préparait cet acte de vieille diplomatie, notre dialogue se poursuivait. Je lui avais apporté mon dernier livre, Le Maghreb entre deux guerres, que je lui avais dédicacé ainsi, à Jean Amrouche, fils d'une double vérité. Il a lu la dédicace et il m'a dit: oui, c'est bien vrai. Ce n'est pas un hasard que je sois malade. Et j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Ce n'est pas un hasard si je meurs. Et pourtant, elle aurait été bien nécessaire, la vie d'Amrouche, à ce pays qui reconquérait par la liberté politique le droit d'être lui-même, c'est-à-dire aussi le droit d'être fidèle à soi-même et à l'autre. Au cours des dernières années, Amrouche avait prodigué bien des preuves de cette fidélité-là, plus profondément, plus douloureusement que tout autre. Il avait analysé dans l'âme d'un peuple, car c'était aussi son âme, les rapports subtils de l'animus et de anima. Comment réconcilier animus et anima? Comment faire qu'une culture, quelque peu subie, mais plus encore choisie, ne contrarie pas votre souffle le plus profond? Tel était en effet le problème de ce peuple, est-elle aussi celui du poète qui 20 ans auparavant avait chanté le bandit d'honneur Kabyle qui roule sa cigarette au haut de la montagne, mais le tabac avait l'amertume du laurier rose. Cet entretien avec celui qui allait mourir devait, à la solennité de l'heure, un goût que je n'oublierai jamais. Je n'ai pas à redire les propos que nous avons échangés. Tous partaient de l'idée que les vérités ne doivent pas se faire complices, mais que leur échange est possible dans la liberté et que jamais leur union ne sera plus forte que lorsque pleinement elles se seront rendues elles-mêmes. Mais si cela est vrai, à coup sûr, sur le plan de la morale et de l'histoire, bien douloureux est parfois le débat de ces deux intégrités combattantes dans la même âme, sans compromis l'une avec l'autre, se combattant mais sans se renier, telle elle subsistait, comme ces divisions des hauts villages du Djurdjura, où l'exaltation du différent cautionne la proclamation de l'unique. Mais pour cela, il faut parfois des morts d'hommes. Celle d'Amrouche a été la plus douloureuse. Il nous a quittés, non peut-être sans que, conformément à un proverbe kabyle qu'il aimait à citer, l'ange Azraël lui-même n'ait hésité devant la beauté de l'être. أوين ولنا الليل ثمالا
Ô cœur fou, tu sonnes le vide. Loue le Seigneur s'il n'est trop tard. Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah. Rejoins l'antique tradition. Défie-toi des chemins nouveaux. Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah. Le monde visible est un leurre. La mort est debout sur le seuil. Il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah. Jean Balinzi, je vous ai rencontré au chevet de mon frère Jean Amrouche. Je crois que vous êtes des tout derniers avec lesquels il est exercé son métier de journaliste. Oui, voyez cette photo que j'ai sous les yeux. C'est sans doute une des dernières de sa vie publique. Elle a été prise dans le bureau de l'hebdomadaire Démocratie 60, dont j'étais alors rédacteur en chef et où lui devait être la voix de l'Algérie. Regardez-le, c'est de l'Algérie bien sûr qu'il parle. Sa lèvre, mince, lamine la pensée. Le regard, acéré, vous la vrille au cœur. Des rides fines composent sans cesse leurs lacis. Celles de la patte d'oie sous la tempe irradient leur frémissement jusqu'à la racine de cette chevelure qui était, vous le savez, l'une de ces petites coquetteries. Tout le reste de l'homme est ainsi perpétuellement tendu, traversé d'ondes. Jean, c'était l'idée faite chair. Elle lui courait à fleur de peau, à vue. Une idée brûlante, aiguë, et touchant l'Algérie, douloureuse. Une autre image maintenant. Deux jours, trois jours peut-être avant sa mort, je ne sais plus. L'amaigrissement, 20-25 kilos, je ne sais plus non plus. L'amaigrissement l'a déjà décapé. En quelques semaines, il a pris le physique du vieillard qui n'eût dû être que 30 ans peut-être plus tard. C'est pourtant d'avenir que nous parlons. Celui de l'Algérie, le nôtre, le sien. Du train-train quotidien aussi, le printemps, les projets, les vacances. Et c'est alors qu'il a ce mot. Celui qui, chaque fois que son ombre vient me visiter, me remonte d'abord aux oreilles. « Tu sais, me dit-il, j'ai planté des tulipes dans mon bout de jardin du Val-de-Loire. Tout ce que je demande maintenant, c'est d'aller les voir fleurir. C'était il y a un an. » Charles Galperine, vous avez souvent conversé avec Amrouche dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire à l'époque où il était le plus solitaire et le plus engagé. On a parlé d'un certain découragement auquel il aurait cédé quand les affaires algériennes avaient tant de mal à sortir du chaos. On en trouverait même le témoignage dans certains articles écrits alors où Amrouche manifestait un peu d'amertume plutôt que de l'aigreur. Qu'en pensez-vous ? Je venais en effet lui demander une leçon de politique et il aimait à m'expliquer où nous allions. Je le trouvais souvent tendu, aux aguets des nouvelles, mais je ne puis dire découragé. J'ai l'impression que les moments d'accablement furent ceux où il lui semblait ne plus pouvoir agir dans le sens de la paix. Dans l'isolement où il se trouvait à certains moments, il ne pouvait pas ne pas ressentir durement telle fluctuation des événements ou telle déclaration ministérielle qui lui paraissait entraver ou reculer l'issue du conflit. Jean Amrouche était un grand ami de l'UDT, mais vous l'avez connu, Louis Vallon, avant la fondation de l'UDT. Et je crois aussi que vous saviez quelle estime avait pour lui le général de Gaulle. J'ai connu Jean Amrouche au cours de la guerre à Alger, lorsque, en compagnie d'André Gide d'ailleurs, il venait d'arriver de Tunisie et je l'ai beaucoup vu à ce moment-là. C'était un patriote français, un résistant français qui attendait de la victoire des Alliés, une certaine libéralisation du régime des peuples du Maghreb qu'il souhaitait. Et puis j'ai retrouvé, en même temps que vous d'ailleurs, Jean Amrouche, lorsque nous avons monté l'Union démocratique du travail, il a été tout de suite avec nous, car la position que nous avions prise sur l'Algérie lui convenait. Nous avons connu un Amrouche déchiré, à la fois patriote français, intégralement français, et patriote algérien, ne voulant pas se séparer de son peuple dans les difficultés du moment. Toute sa vie et son action au cours de cette période portent la marque de ses déchirements, mais jamais il n'a cessé d'être en rapport avec le général de Gaulle. Il a toujours manifesté sa confiance dans l'issue que le général de Gaulle saurait trouver aux problèmes algériens, et ceci bien avant 1958, puis tout de suite après le 13 mai, dans un article retentissant. Et je me souviens que vers la fin, au moment où
Nous savions, nous étions quelques-uns à savoir qu'Amrouche était condamné. J'ai eu l'occasion de lui porter une lettre réconfortante du général de Gaulle, dans laquelle celui-ci lui faisait part de toute son estime et toute son admiration pour le talent du poète que n'avait jamais cessé d'être Jean Amrouche, même lorsque les circonstances le conduisirent à apparaître comme un homme public. C'est à vous, monsieur René Capitain, qui avez connu et aimé Jean Amrouche, qui avez participé à cette tragédie algérienne, que nous avons demandé de conclure cet hommage à notre ami. Quand je songe à Jean Amrouche, spécialement en ce moment, après avoir entendu les témoignages qui ont précédé les miens, je suis frappé par le contraste qui existe entre sa vie douloureuse et sa fin apaisée. Car les témoins de ses derniers instants nous le disent, il est mort dans la paix et dans la sérénité. Ses douleurs, nous en savons bien la source, dans ses contradictions par lesquelles il était déchiré, par ses choix cruels que la guerre lui imposait et devant lesquels il ne s'est pas dérobé. Il est allé beaucoup plus loin dans cette voie qu'Albert Camus, dont on pourrait, à mains égards, le rapprocher. Et pourtant, mourant avant la conclusion du drame, mourant avant la fin des combats, on aurait pu croire qu'il eût été tenté par le désespoir et l'amertume à ses derniers moments. C'est le contraire qui s'est produit. C'est que, sans doute, prophète comme il l'était, comme le sont les vrais poètes, il savait que la paix était assurée dans l'avenir et qu'une synthèse des contradictions dont il avait souffert se préparait. Le 1er juillet 62, je me trouvais à Alger, le jour où était proclamée l'indépendance de l'Algérie et où une vague de joie, d'une puissance extraordinaire a soulevé la population algérienne. Une vague de joie où nul geste, nul regard de haine n'était perceptible dans aucun des innombrables visages que l'on pouvait côtoyer dans les avenues de la capitale algérienne. Et ce jour-là, j'ai évoqué avec une intensité particulière la figure de Jean Amrouche. Je me suis dit que la joie qu'il avait inondé au moment où il mourait était justifié, qu'il avait prévu ce jour, et en même temps, l'œuvre de Jean Amrouche me permettait de donner un sens à une explosion de joie sans doute un peu irrationnelle dans ces populations algériennes, mais à laquelle Amrouche, le poète, le penseur, donnait sa signification véritable. Et si, depuis ce 1er juillet, nous avons pu, l'Algérie et nous-mêmes, connaître des difficultés, des passages difficiles, il y en aura d'autres encore, que la leçon d'Amrouche nous permette de toujours garder confiance dans l'avenir, dans cette fraternité de la France et de l'Algérie qu'il a vécue au plus profond de son âme, dont il a souffert lorsqu'elle se déchirait, mais dont finalement il a su. Et il nous permet de savoir que c'est elle qui triomphera. France 3 RTF vient de vous présenter Hommage à Jean Amrouche, une émission de Marguerite Taos, Stanislas Fumet, Charles Galperine. Aujourd'hui, la tragédie algérienne,
avec la participation de Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, Jean de Breuil, secrétaire d'État chargé des affaires algériennes, Ferhat Abbas, ancien président du GPRA, président de l'Assemblée constituante algérienne, Gabriel Darboussier, ambassadeur du Sénégal, François Mauriac de l'Académie française, Louis Vallon, rapporteur général du budget, Krim Belkacem, ancien vice-président du GPRA, député de la Kabylie, René Capitan, président de la commission des lois au Parlement, Suzanne-Jean Amrouche, Jacques Berck, le lieutenant Ramani, Jean Balinzi, Kateb Yassine, Djamila Debèche. Et la voix de Jean Amrouche. Poèmes et chants berbères par Marguerite Taos. Assistante Ève-Augustin Henrault. Réalisation Pierre Barbier. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 juin 1963. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site